Là, on est du coup au Bourget et on vient, comme plusieurs fois depuis 2 ans maintenant, faire notre petit geste citoyen pour montrer qu'on est toujours déterminé à faire interdire les jets privés. Et donc, il y a un an, une action similaire s'est déroulée. Pourquoi la recommencer aujourd'hui? Et bah parce qu'il n'y a toujours pas eu de mesures qui ont été prises. Et planter un arbre, c'est symbolique. Est-ce que c'est pour aussi peut-être répondre à la volonté de M. Macron que chaque collégien... J'ai pensé à ça en vous voyant. C'est vrai, c'était une bonne blague. Effectivement, nous, ce qu'on vient de dire, c'est que aujourd'hui, cet espace de 50 hectares, il ne sert à rien. À rien, parce qu'en fait, il sert à une poignée de personnes, une poignée de privilégiés qui, finalement, ruinent notre avenir, ruinent l'avenir climatique. Et du coup, ce qu'on vient de dire ici, c'est qu'on peut faire autre chose de cet espace. On peut faire des parcs, on peut faire du maraîchage, on peut faire des endroits où les gens puissent réellement vivre. Des logements, on pourrait faire plein de choses, en fait, mais juste, il faut qu'on puisse en discuter démocratiquement ensemble. Et vous voyez, il y a encore des jets qui sont en train de voler au-dessus de nous. Donc nous, c'est juste un geste symbolique pour dire on est des citoyens ici et on doit agir, on doit les faire revenir sur Terre. On est obligé de les forcer à atterrir. À quoi vous répondez quand on vous dit que ça génère de l'argent, et économiquement ça a du sens? Vous répondez quoi à ces arguments? Alors c'est pas prouvé déjà, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais il y a zéro preuve. Nous, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'une heure d'un tel jet qui décolle, c'est 2 tonnes de CO2 par an. Or, 2 tonnes de CO2 par an, c'est la cible d'émissions annuelles qu'une personne doit avoir en 2050. Ça veut dire que si en 2050, un riche décolle encore avec son jet, il a le droit à 2 heures de vie et c'est tout. Après, il peut plus se déplacer, il peut plus manger, il peut plus respirer, il peut plus rien faire. Donc nous, ce qu'on veut, et aujourd'hui, ceux-là, ils émettent 8000 tonnes de CO2 par an. Donc on est très très loin de l'objectif. Et du coup, tout ce qu'on veut, nous, c'est que ces jets privés, en fait, cessent de décoller, cessent de voler. Taxer les riches ! Taxer les riches ! Taxer les riches ! Oui, bonjour. Oui, je suis une citoyenne et une membre du collectif Extinction Rébellion et j'ai une déclaration à vous faire. Nous sommes rentrés aujourd'hui sur l'aéroport du Bourget pour accomplir un geste citoyen et nous ne souhaitons pas faire de dégradation lourde sur le lieu. Nous souhaitons simplement alerter sur l'urgence à mettre hors état de nuire ces criminels climatiques. Nous avons également planté quelques arbustes pour symboliser un futur désirable pour toutes et tous. Nous sommes maintenant presque sortis de la zone et nous allons ensuite partir. Nous avons fait un trou dans le grillage près du portail de l'aéroport au niveau de la zone de Bonneuil et nous souhaitons simplement vous alertir. Je ne vais pas répondre à d'autres questions et je vais donc maintenant raccrocher. Merci. J'en profite pour vous poser une question. Pourquoi avoir fait le choix de prévenir les forces de l'ordre? Parce qu'on voulait quand même que ce soit prévenu, parce qu'effectivement il y a un trou dans le grillage qui a été fait et on veut pas que ça amène à d'autres choses qui soient malveillantes. Nous on est dans une posture non violente où on veut pas dégrader, mais on a quand même une responsabilité face à ce qu'on fait. Et franchement, j'avais pas envie d'en arriver là, mais aujourd'hui on est obligé de faire ça parce que en fait cette minorité là, elle sape tout avenir collectif et moi là je suis là et ça m'indigne en fait ce qui se passe. Et pour l'avenir de mes petites sœurs, je me sens obligée d'avenir pour planter un arbre et pour dire comment on peut les laisser polluer 1000 fois plus quoi. Comment on peut les laisser. En jet, ça pollue 1 km en jet, les riches de la planète, un arbre de plus sur Terre, on respire et on respire.